E.T., l'extraterrestre. Salut tout le monde, c'est Sundard et bienvenue sur la troisième partie de E.T., l'extraterrestre. Je ne suis pas très en forme ce soir et donc je profite de cette occasion pour tenter de terminer ce jeu de l'enfer. J'étais arrivé au niveau 3, donc on va mettre le mot de passe du niveau 3 qui est Left, up, right, down. Niveau 3. Dans ce niveau, tu joues E.T. et Elliot. Et tu dois trouver les 16 morceaux de téléphone qui te permettront de... voilà, ça c'est moi. Donc voilà, Elliot. Pour switcher, c'est comment? C'est avec la touche L et R. Ok. Salut Pokémaster. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? E.T., tu te calmes. Tu te calmes déjà. On prend la première clé. Il faut trouver 16 morceaux de trucs. Et ça, je ne sais pas. Je sais pas à quoi ça sert, cette pièce. Est-ce que tu peux faire un truc, Elliot? Non. Toi, Elliot, tu es un pacifiste. Tu n'attaques pas. Ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça fout là? Fais un truc, E.T., avec ton doigt. Doigt magique. Oh, mais il y a des bébêtes! Il y a des bébêtes! Mais non, mais... Comment on tue les bestioles? Mais c'est pourri, on sait pas tuer les bestioles dans ce jeu. Voilà, je prends la pièce. Je vais mourir. Voilà, E.T. est déjà tout blanc. Ah, des petits robots. Vas-y, fais un truc avec ton doigt. Robot doigt, ça marche pas. Ça marche pas. Prends la pièce, on sait pas à quoi ça sert, tu vas mourir. E.T. va mourir. Oh! Ah mais oui, mais ça donne de la vie lorsqu'on prend les pièces. Oh, attention, la petite voiture. Qui c'est qui conduit la petite voiture? Ah! Oui, mais E.T. Bouge-toi le cul, quoi. Fais quelque chose. Évite-les. Là, il y a une clé. Il faut que je trouve une pièce. Il faut que je trouve une pièce, sinon E.T. va mourir. Oui, E.T. Ah, attention, le petit robot. Et voilà. Ah ben non, mais comment? E.T. n'a plus d'énergie. Est-ce que je vais avoir besoin d'E.T.? Non, là, il n'y a rien. Une salle de bain. Il y a deux baignoires dans la salle de bain. On s'amuse. Ce jeu, c'est le fun absolu. J'ai pris une clé. Ok, je fais le tour, putain. Je commence déjà à devenir fou. On a absolument rien fait, une clé. Tu vis? Comment je sors de là? Là. Où est E.T.? Bon, j'espère que j'ai tout pris dans cette maison. Je vais refaire... Non, je refais pas le tour, on s'en fout. On se casse de là. On se casse de là. Il faut sortir de la maison. Il faut sortir de la maison. Où est la sortie de cette maison? Ah, il y a E.T. qui fait un truc avec son doigt. Mais je deviens fou. Voilà, elle est là, la sortie. Attention.
Oh, d'accord, il y avait une pièce juste là. J'ai bien fait de me perdre. Est-ce que je peux aller là? Oui, ça c'est la sortie. Y'a quoi ici? Oh! J'ai 10 balles de baseball. Maintenant, je peux me défendre contre mes ennemis! Contre. Oh! Il y a un P dans la toilette. Dans la toilette. Dans les toilettes. Oh là 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 là. Ce jeu. Je l'adore. Ce jeu est vraiment une. C'est vraiment une perle. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est une grenouille. Et là? Ça, c'est une balle. J'ai besoin d'E.T. E.T., où es-tu? E.T. est super loin. Il est là. Il est tout blanc. Mais il y a plein de pièces de partout. Et ça? Et ça? Est-ce que E.T. Non, E.T., évidemment. Il ne joue pas au baseball, E.T., donc il peut pas prendre de balles de baseball. Là, il y a encore un P. J'étais passé à côté. Clic! Clic! Oui. 2 secondes. Là, il n'y a plus rien. Faut que je fasse un truc avec mon doigt. Non! Reviens sur E.T. Attention! Faut que je fasse un truc avec mon doigt. Voyons voir. Ça sert à rien. Fuck! Il leur fait des doigts. Non! Je vous emmerde! Tiens, connard! Je te fais un doigt, là y'a rien. Bip, 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 bip. Un doigt. Oh, je vais mourir. Bip, 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 bip. Je vais mourir. Mais j'ai vu qu'il y avait une clé. Ici. Oh là là. Non, non, mais... Vous êtes ici chez vous. J'espère que vous appréciez cette ambiance sonore. Là. Là, il y a des trucs ici. Mais le petit robot, E.T. a été capturé. Heureusement, on recommence directement là. Là, il y a des trucs. Il y a une pièce. Salut, 102 6. Aïe, 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 aïe. Sans de keys, sans de size. Bon, la sortie, elle est là. Mais j'ai raté des tonnes de trucs. Coucou. Voilà, je fais un truc avec mon doigt. Attention, des bestioles. Vite, balance des... Non, on se casse de là. Merci, E.T., pour ton intervention prestigieuse. Saloperie. Ah, c'est super utile, Elliot. Ouais. Attention, les grenouilles. Allez, viens ici. Mais viens, mais E.T., putain! Suis-moi, voilà. Contre le mur. Il manque un petit peu d'huile à cette porte. On va aller par là. On va aller là dans la cuisine. C'est pas... C'est une cuisine, ça? Attention, les bébêtes. Il y a des bébêtes, il y a un P. Oui. Ouais, de retour sur la version GBA de E.T. l'extraterrestre. Oui, mais reste là, reste là. Là, t'es bien là. Non, ne sors pas. Fouille d'abord cette maison. Cette maison de géant. Ah, mais non, mais il faut des clés pour les petites portes aussi. Oh, mais non, mais c'est cette violence de l'esprit. Là, y'a rien.
Il n'y a rien du tout. Salut Wakuma. Salut Gredo. 8. On est à la moitié de l'aventure de Elliot et E.T. qui récupèrent les pièces pour faire un truc, je sais pas quoi. Bon, il me faut une clé et je dois revenir ici. Donc on va prendre E.T. qui va rejoindre Elliot. Non, il y avait rien là, il y avait rien. Salut Carte Kaleos. Un tambour. Est-ce qu'il y a une pièce sous le tambour? On va s'éloigner. Prends mon doigt. Oh oui, il y a une pièce. Du coup, Elliot. Comment je suis passé à côté de ça? Le level design est complètement... complètement mindfucké. Il y a sûrement un truc là en dessous. Bah non, non, non. E.T. Voilà, suis-moi E.T. Non, là, il n'y a rien. Mais comment... Mais c'est quoi la pièce, là, à côté? Et qui a fait ce jeu? Mais non. D'accord, c'est les voisins. Ça, c'est chez les voisins. Attention, les robots. Non, pas par là. Ah! Allez, cassons. Cassons-nous d'ici. Vas-y, viens. E.T. E.T. Oui, oui. T'es mignon. On dirait un caca qui marche. Magnifique. Tu es un gros caca. Allez, viens. Mais il n'y a rien ici. Il faut ressortir de l'autre côté. Oh là là. Il faut faire le tour. Il y avait quoi ici? Il y avait une petite piècette. Bon, E.T., à ton tour. Voilà, parce que tu ne peux pas me suivre, toi. Hein, tu es complètement débile. Et regardez-le, quoi! Mais j'arrive pas à sortir. J'arrive pas à sortir. J'arrive pas à me concentrer sur ce jeu de l'amour. Je suis là. Elliot, t'es où? Elliot? Elliot, il est là. Allez, suis-moi, Elliot. On va jouer un peu avec E.T. Voilà, Elliot est complètement con. Mais oui. Elliot, ils s'en font. D'accord, Elliot peut mourir aussi, mais... Oh là là, mais ce gangbang. Allez, cassons-nous. Je me fais gangbanger par des grenouilles. Il y avait quoi là-dessous? Il y a rien. Comment je fais pour rentrer dans cette maison? Je vais rentrer là. Il y a un P là. Il y a un P qui m'appelle. Oh, la voiture! Ah! Oh. Là. Là. Ici, il y a des trucs. Ici, il y a de... Non. Je suis déjà venu ici. Mais qu'est-ce que c'est que ce level design, mais complètement pourri. De la faute de Nini Plout. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Ok. Quoi? Et pourquoi je bip? Eh mais non, mais ce jeu rend fou. Comment je fais pour accéder en dessous? Elliot, où es-tu mon garçon?
Pourquoi tu ne suis pas? Mais oui, mais le robot, mais qui se cache dans le décor. Un grand classique du jeu vidéo. Oui, mais laisse-moi parler, E.T. Il est où, E.T.? Bordel de merde, il est là. Ouah, c'est des retrouvailles, attention. Mais oui, mais voilà. Il était tout blanc, dégage. Faut que je sorte de cette maison de l'enfer. Allez, viens. Mais pourquoi? Je comprends pas. Pourquoi il clignote plus vite? Il vit plus vite. Attention. Le vélo. Non, le vélo, ça sert à rien. On va aller par là, E.T. Suis-moi. Mais attendez, mais il crève. Mais qu'est-ce que... Mais what the fuck, ce E.T. Mais stop. J'ai pas de clé pour rentrer là. Putain. Mais pourquoi E.T. il meurt, là? Mais what? Mais what the fuck? Vas-y, E.T., fais ton truc avec le doigt, là. Mais qu'est-ce qu'il a, ce E.T.? Mais regardez-le! Stop! Complètement torché. Bon, le truc, c'est que je dois trouver deux clés. Je dois retourner dans la maison qui se trouve tout en haut. Voilà. Et je dois retourner en bas. C'est pas amusant, ce jeu. C'est pas drôle. Qui est le con qui a été mettre ça dans Retro Achievement? Mais oui, mais Elliot, fais quelque chose de ta vie. Bouge. Bouge un peu. Une clé. E.T. peut prendre la clé. Il l'a rangée dans ce... Oh non! Pas les violeurs. Les violeurs sont là. Oui, come here. Come here, mon cul. Allez, cours, E.T. Là, il n'y a pas de pièces qui traînent, il n'y a pas un... Un P caché. Est-ce qu'il y a un P caché? Il n'y a pas de P caché. Il n'y a aucun P caché. Et qui habite là-haut? Là, il y a deux chemins, donc je vais aller d'abord par ici. C'est quoi ça? Non, des bébêtes. Il y a des bébêtes là en dessous. E.T. qui part en éclaireur, attention, encore une clé. Donc maintenant je peux... À la limite, je retournerai bien, mais non. C'est trop loin. Stop. Chut. Je vais pas me faire violer dans la bouche comme la dernière fois. J'ai compris la leçon. Là c'est l'amusement. Voilà, on marche. Là, il y a des balles, je peux pas les prendre. Mais j'ai trois clés. Donc ça, c'est très bien. On a trois clés. Est-ce qu'il y a des entrées, là? Ça se trouve, il y a une entrée ici. Il n'y a pas d'entrée. On peut pas rentrer par derrière. Ici. Là. Ton doigt. Me dis pas que Elliot doit lancer des... Elliot time! Go! You are Elliot. You need to go to find E.T. Ah, est-ce que je peux utiliser les clés que E.T. a ramassées tout à l'heure? Mais ça, c'est de la magie. De la pure magie. Et là, il y a une clé.
que j'utilise la clé maintenant. Oui. Bonjour. Encore des voitures, il y a des voitures qui habitent ici. Qui habite ici? Là, il y a un P. On est à 5. Combien sommes-nous sur le live, dites-moi? Combien de gens souffrent avec moi en ce moment même? Et là, E.T., parce que Elliot, il est trop con, il peut pas soulever ça avec ses mains, donc il doit appeler son ami l'extraterrestre qui soulève des trucs qui se trouvent de l'autre côté de... Attends, E.T., est-ce que tu peux faire ça à travers le mur? Oh! Oh, c'est le moment d'en profiter. C'est le moment d'en profiter. De toute façon, je vais devoir revenir ici. Avec E.T. qui peut pas ramasser le P. Mais ce jeu, c'est de la merde, putain. Ce jeu, c'est de la merde. Je veux plus jouer à ça. Et j'utilise une clé. J'arrive, E.T., ton doigt. Merci. Oh. Désolé, mais je peux pas te lancer des... Voilà, je peux rien faire, E.T. J'ai pas ta puissance. Donc, tu m'attends. Je vais arriver. Ah, on va tester le truc avec les balles, voyons voir. Oui. On approche de la victoire. Il reste 3 P. 3 P. Et je sais où ils sont. Il y en a un qui est près d'E.T. Il y en a un qui est ici. Et il y en a un autre dans la maison où il faut la clé. Tu la fermes, E.T. Parce que tu voilà. Je m'emmerde. Le son de la grille, c'est le même que dans Silent Hill 1. Eh bien, le son de la grille, c'est le même que dans... 90% des films, des séries, des jeux, de plein de trucs, c'est toujours le même sample, c'est toujours la même porte. Et d'ailleurs, si vous voulez vous amuser, vous faites un... Vous regardez HeroCorp, vous regardez toutes les saisons de HeroCorp, et à chaque fois que vous entendez ce sample, vous videz une canette de bière. Voilà. C'est un petit jeu à faire en famille. Comment je sors de cette... Là. Ouch. Le petit scarabée. Le scarab... Oh non. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que E.T. rejoint Elliot ou Elliot rejoint E.T.? Moi j'ai envie... Ça c'est le boss final. Ça c'est le final boss. Ben oui, c'est logique, puisque après je dois revenir au vélo. Allez, sors de là. Sors de là, Elliot. Fais gaffe à la voiture. La voiture veut te tuer, je ne sais pas pourquoi. Je suis complètement désorienté. Où elle? Elle est là, la porte, putain. Non, non, mais casse-toi de là, Elliot. Tu reviendras plus tard. Mais je suis... Je suis en mode automatique. Dès que je vois un tournant, je tourne. Là, y'a rien. Ouais, le truc, il sert à rien. Là, la sortie était là. Là-haut, il n'y a plus rien. Elliot, rejoins ton pote. Là, il n'y a rien. Mais non, E.T., il est... Mais oui, voilà. Est-ce que c'est par là que je dois aller?
Mais si c'est par là que je dois aller, du coup, je dois refaire tout le tour. Wow, go, 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 go. Oui, j'ai pas le temps. Le mec, il s'en fout, il fait stop, il me poursuit un petit peu. Il s'en balèque. Là. Où est E.T.? E.T., j'en ai marre maintenant, reviens ici. Je prends la petite pièce. Voilà, c'est juste une pièce à la con qu'on sait pas ce que c'est. Attention, attention, le petit scarabée. Le petit scara. Une grenouille. Là, je ne sais plus, il y a... Waouh! Mais voilà, on a trouvé. Mais j'avais même pas besoin d'E.T. Mais... Oh, mais... Mais lâche! Lâche-le! Lâche-le, E.T. Enfin, lâche-le! Bon, réfléchissement. Réfléchissage. Je dois revenir en bas. Allez, viens, E.T. Suis-moi. E.T. Oui, voilà, bien. Mais E.T. E.T., il en veut. E.T., il en redemande. Allez. Non, là, il n'y a rien. Ça pour faire un appel en... Ces potes là, on s'en bat les couilles. Salut Nono Tout Ball. Je confirme, c'est extrêmement moche. Trop moche même pour moi. Pourquoi t'aimes bien les jeux moches? Mais regardez, mais non, mais non, mais non, mais touchez, me touchez pas. Allez, fonce! Fonce, E.T. Ah, on veut me violer. On veut me... Ah, la petite grenouille. Je suis complètement paumé. Il faut que je sorte d'ici. Il faut que je sorte d'ici. On va là en bas. E.T. va mourir pour une raison complètement inexpliquée. Fais ton truc avec le doigt, là. Oui, c'était les fleurs. Comme dans le film. Il respecte le film. E.T. fait pousser des fleurs et du coup, voilà, il revit. Ou alors non. Je ne sais plus. Ah, mais non, mais t'as pas pris assez de fleurs. Est-ce que je viens d'utiliser une clé pour rien? Est-ce que je viens d'utiliser une clé pour rien? Ah non. Mais attendez, mais il y a plus de deux trucs, non? Du coup, j'ai besoin d'E.T. qui est là, dans le coin. Non, non, j'ai pas fait de conneries. C'est une bonne porte. Cette porte est bonne. Respecte la porte. Je sais qu'Eliot est en bas, mais je vais d'abord fouiller ici. Mais c'est quoi cette baraque? Ok, il y a un PL juste là. Il y a une clé. Tout va bien. Tout va bien, il y a des clés, il y a des P. Oh, je m'appelle E.T. Hey, regarde, regarde quand je marche. Regarde, yo, je m'appelle E.T. Merde, il est où Elliot? Mais pourquoi il y a tant de clés? J'ai perdu Elliot. Elliot, la caméra aussi. Mais putain, je me fais toucher par un robot.
La télé est à côté du meuble, TV, dans le sens opposé au canapé. Oui, c'est très pratique. Bien vu. Mais il est là, Elliot, bordel de chier. Vas-y, fais ton truc avec le doigt, là. Ouais. Attends, attends, voilà. Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'on peut finir le niveau? Je défie Kasumari, Atomium, KD, Scaradams, Red Rose. Si vous entendez ce message, je vous défie de jouer à ça, à E.T. Et on va hyper ce jeu E.T. Tout le monde va jouer à E.T. Je veux voir des gens jouer à ça, bordel de grenouille à la con. Et là, je fais quoi maintenant? Je fais quoi maintenant? Tu te casses? Niveau 4, dans ce niveau, tu vas jouer E.T. Bon, un petit achievement. Maintenant, je dois trouver des parties de trucs pour construire un transmetteur. Et je dois les assembler dans l'ordre, c'est ça? Utilise les pouvoirs d'E.T. pour faire lévitationner les transmittages pour les... Mais regardez-moi cette tronche. Bon, ça mérite un screenshot, hein. Voilà, E.T. qui pose. Et maintenant, je vous laisse là-dessus. On se retrouve bientôt pour la suite de ce magnifique jeu, E.T. l'extraterrestre.